Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff. Alors comme vous avez pu l'apercevoir aujourd'hui, on va donner rendez-vous à un mec qui soi-disant vend une PlayStation 5. C'est peut-être vrai, mais je pense que c'est vraiment faux. Et pour ça, j'ai appelé mon ami, mon grand, mon bien-aimé, Steven. Steven du panier. Rajoutez-le, son Instagram il s'affiche en dessous. Et n'hésitez pas aussi à rajouter toute l'équipe qui est absente, mais qui va bientôt revenir. Bref, donc aujourd'hui, je vais donner rendez-vous à la personne qui vend une PS5 alors qu'elle n'est toujours pas sortie et que c'est un mois avant la sortie. Et on va voir ce qu'il a à nous proposer, si c'est véritablement une Play 5. On va aller jusqu'au bout, le caméraman va aller se cacher et on va attendre notre proie qui vienne dans la gueule du loup et qu'on puisse le croquer à pleines dents. Voilà. Tu veux que je te croque à pleines dents, toi ? Vas-y. Ah oui. Yeah. Ben là, on est sur les lieux, là, ça y est. On est sur les lieux. Ah, vous le voyez de loin ? Ah ben, on est là. Il y a un mec avec un masque qui est en train d'arriver. Rigole pas, délire pas. Délire pas. Bonjour. Pour la Play 5 ? C'est ça. Ouais, c'est nous. Pourquoi vous portez un masque ? Je peux pas trop montrer, c'est confidentiel. C'est pour le corona ou c'est... Non, c'est sérieux là. De quoi c'est sérieux ? C'est sortir un produit d'usine et... Vous voulez rester confidentiel ? Pour votre tête ? Non, faut pas. Pour ça c'est mieux un endroit comme ça. Oui, c'est... Là y'a personne hein, ici. Ah donc ça c'est la Play 5 ? C'est ça. Je peux voir ? Ouais, vas-y. C'est une Play 2 ça. Non. C'est une Play 2. Non, c'est la Play 2. Là. Ah, c'est une blague. C'est une caméra cachée. C'est qu'en fait, ça sort d'usine. Non, mais c'est une caméra cachée. Il y a écrit PS5 comme ça dessus. Non, c'est pour que je me rappelle. J'ai beaucoup de commandes. Il y en a pas. Et en fait, on est obligé de les mettre dans des Play 2. Quand mais donc, en fait, ça veut dire. Tenez ça. Ouais. Ça veut dire que là, vous me vendez une Play 2. Non. C'est une Play 5, ça. C'est une Play 2 de. Physiquement, mais à l'intérieur, il y a tout ce qu'il y a du gros lourd. Ça veut dire que là, si je l'allume dedans, il y a un processeur de Play 5. C'est ça. En fait, on achète tous les jeux en ligne et vous avez la manette de Play 2. C'est là ? Tu joues. Ça, c'est la manette ? Ouais. Ouais, elle tue. Mais la réactivité des touches comme la 5. Ah ouais ? Et du coup, les câbles, ils sont fournis ou pas ? Parce que là, il n'y a pas de câble. Il n'y a pas besoin de câble ? Non. Pour reposer. Vous branchez la manette elle se connecte à l'injection sur votre téléviseur. Je sais pas ça. C'est quoi, c'est la PlayStation ? On achète une aussi, hein ? C'est ça. Ouais. Combien vous la faites déjà ? 400€. 400€ ? C'est donné. Y'a moyen de négocier ou pas ? Pas du ça, 350 quoi. Pas plus. Et du coup, comment ça se passe ? Les CD ? Y'a le lecteur CD qu'il y a dedans là de... Non, y'a pas besoin de lecteur CD, vous achetez tout en ligne. Ah, c'est la digitale celle-là ? Ouais, c'est celle-là. Ah, c'est la version digitale. C'est la version digitale. Ah merde. C'est pratique. On peut l'essayer alors du coup. Bah, là, j'ai vraiment pas le temps. Là. Il faut vraiment que j'ai d'autres clients et je vous donne mon numéro et vous me tenez au jeu si vous avez des questions. Mais... Non, moi je vais pas l'acheter sans essayer, chef. Mais ça marche. Déjà, je vois pas votre visage. Voilà, mais ça c'est normal. Vous travaillez où ? Je travaille pour Sony. Comment ça se passe ? Vous prenez les processeurs de Play 5 ouais. Et vous les mettez dans les Play 2. C'est ça. Genre, y'a quoi dedans ? Un processeur combien ? C'est un 15 coeurs. 15 coeurs ? Je connais pas trop moi. Après, j'ai du mal à faire comment, je vois même pas son visage. Frère, je fais confiance à un mec qui met une Play 2 avec un masque. Y'a rien pour toi, hein, mais. À 350. Là, on peut rajouter ici, là. Mais, Tu peux rajouter quoi ? Là, on peut mettre encore des terras ici, en fait. Mais y'a pas la prise HDMI, c'est normal ? Y'a pas besoin. Y'a pas besoin, il a dit c'est sans fil. Ah ouais ? Ça se connecte directement. J'avoue, oui, ouais, pas mal. Là, on peut rajouter, là. Mais du coup, 350€ la Play 2, 5. De quoi le logo ? Ouais, et puis là, quand elle se connecte à la télé directement. D'accord. Vous avez juste à l'approcher à 5 mètres de la télé et elle c'est bon. Automatiquement. On peut jouer. Sur n'importe quelle télé. On peut jouer à combien dessus ? 15. Ah ben ce soir, viens, on va se tuer à ça, on appelle ce soir. On appelle ce soir, on va chez toi. Attends, le processeur 15 coeurs, c'est pour 15 personnes, en fait, c'est une coeur. Hein ? Pourquoi vous voulez ? Je sais pas, c'est... Non, parce que ce soir, ça va beaucoup jouer. Et vous le sentez ou pas ? Tenez là. Elle est lourde, hein ? Et ça, c'est les 15 coeurs. C'est les 15 coeurs ? Ouais. Combien il pèse, un coeur ? Un coeur, c'est 100 grammes. Mais sur 100 grammes, ça fait qu'il y a combien, là ? Il y a 4 kilos. Voilà, mais après, il y a les ventilos, comme ça, avec les tuyaux de rafraîchissement à l'intérieur. Et on peut jouer en ligne, là, déjà ? Ouais, oui.
Ah ouais. Ah oui. Mais pourtant ils sont pas sortis les serveurs encore. Ah, y a des gens qui ont réussi à avoir aussi la 5 dans d'autres pays et vous jouez en ligne. Donc qu'avec ceux qui sont en console là. Oui, là il faut profiter, les jeux sont moins chers. Call of Duty. Call of Duty. Mais non. Le dernier. Tu me dis Fortnite 2. Fortnite 2. Oui. C'est tout nouveau. Fortnite 2. Ah, mais je rigole pas. C'est... Ouais. Mais ça a l'air intéressant. Moi, tu sens cette odeur? Ça sent la merde. Non, moi je dis, ça sent la carotte. Tu sens pas la carotte là? Oh, mais ça sent pas la carotte. Fais voir, fais sentir. Ok, ça sent pas la carotte. Ça sent la carotte? Je peux sentir. Tiens, mais est-ce que tu sens la carotte? Ça sent la carotte. Ça sent la carotte. Tu es d'accord avec moi? Ça sent la carotte. Genre, y'a pas une carotte dedans? Donne-lui les sous, Je crois que ça la tienne. Attends, attends. Comment ça? C'est quoi ça? C'est une blague? Tu m'as déplacé pour. Attends, c'est toi qui nous fais une blague. Sérieux? Bah, moi je dis ça sent la carotte, Sylvain. Ah ouais, c'est la carotte. Bah ouais, je sais que je vais te barrager. Oh c'est la carotte. Hein. Bah frère, tu paniques, tu la vends un mois avant qu'elle sorte officiellement. Eh oui, bah oui, mais je travaille dans le... Regarde là-bas, juste là-bas là. Pourquoi? Il y a un ovni. Comment? Non, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Voilà, voilà. Ah, allez. Lâche la moi, lâche ta play. Bah, c'est bon, mais ta gueule maintenant. C'est bon, on a son visage. La proche qui... C'est vrai que tu es vilain. Tu crois tu es carotte, bon. C'est vrai que tu es vilain, frère. Ouais, dis-moi, maintenant qu'on a vu ton visage, prends-la en photo, s'il te plaît. Non, prends-la en photo. Ah, mais attends, on a vu ton visage. Attends, on a vu... Ouais, où tu vas? Mais n'aie pas peur, frère. On est dans la forêt, toi et moi. Tranquille, hein. T'inquiète pas. Non. Prends-la en photo. Prends-la en photo. Ce que vous faites? Eh oui, on va te prendre en photo. Eh non. Eh oui. Non. Alors tu me dis la vérité. Mais c'est la vérité. Ah, c'est une Play 5. Vas-y, prends-la. C'est une Play 5. Je vais faire photo ou vidéo? Aucun des deux. Parce que là, il y a la vidéo d'un côté, il y a la photo. Comment ça, vous filmez? Là-bas, là. Dans le buisson. Mais pourquoi vous filmez? Vous avez raté une bonne affaire, les gars. On est en 2020, les paysans, on les voit plus. On va mettre ton visage là. Parce que si c'est vraiment une Play 5, ce que je doute fort, tu vas te faire virer ton travail. Et si c'est pas le cas, tu vas passer pour un arnaqueur. De toute façon, on va aller au service des fraudes et on va. Ah, attends, qu'est-ce que arrête, arrête là! Reste tranquille! Arrêtez! Allô. Ça va, reste tranquille! Tranquille, on va rien te faire! Arrête! On va rien te faire! On va rien te faire! Arrête! Lâchez-moi! Tiens, tu craques ou quoi le chat? Arrête! Arrête, t'es nerveux, je vois pas! Calme-toi, voilà! T'es fou quoi! T'es nerveux, je vois pas! Qu'est-ce que tu fais? Pose tout! On te voit mal! Arrête, pose tout! Oh, arrête, calme-toi. Calme-toi, pose ça. Pose la play. Arrête. Crie pas. Pose la play. Mais c'est une fou, frère. Pose la play. Pose. Vas-y, tu peux la poser. Pose. Pose là. Doucement. 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 Respire. Soit il fait exprès de nous faire croire qu'il est fou pour qu'on le laisse partir. Arrête. Allez, stop. C'est bon? Non, mais arrête. Pourquoi tu as pris la paix? Arrête. Tu connais pas, tu es fou dans ta tête. Tu as la paix dans la figure. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête. Calme-toi. Bah écoute. T'arrêtes de faire le sgeg en ton visage. Arrête. Calme-toi. Donne-moi ça. Viens, je suis ton ami. C'est vrai? Oui. J'ai pas d'amis. Non, si, bah c'est moi ton ami. Est-ce que tu as voulu m'arnaquer? Tu as voulu m'arnaquer ou pas? Non, sérieusement. Oui, non. Non, tu as voulu m'arnaquer ou pas, s'il te plaît? Non, je t'aime bien maintenant. Est-ce que tu veux vraiment qu'on mette ton visage sur internet? Non. Tu veux pas ça? Vu que tu aimes bien les jeux et que tu mets des carottes aux gens, on va faire un jeu avec une carotte. Si tu gagnes, je fous ton visage. Si par contre tu perds, je mets ton visage sur internet et je vais voir les flics. Eh ouais, mais tu veux mettre des carottes à des gens, mec? Ouais, regarde ce qu'on va faire. On va attacher une carotte au bout de cette corde. Cette corde, on va la faire passer par-dessus une branche. Et l'autre bout de la corde sera attaché à ton pied. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu avanceras, la carotte, pour l'attraper, elle remontera. Il faudra que tu trouves une technique pour attraper la carotte. Comme dans Koh-Lanta. Il est bon. Le but, c'est d'attraper la carotte qui est ici. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va avancer avec la corde, mais la carotte, elle va monter, elle. Donc, c'est à toi d'être astucieux. Allez. Allez. C'est possible. On a typiquement le truc de l'âne avec la carotte. Ah, là, elle est proche, là. Ah.
Eh oui, mais si tu avances, elle monte, alors avance doucement. Allez, allez. Comme vous voyez, cette corde, elle va derrière cet arbre. Allez, tu peux y arriver. Allez, 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 tu peux l'avoir. Il est pas loin, il est à ça. Le problème, c'est que si tu tires la corde avec les bras, ben... Oui, il a eu, Antoine, il a eu. Oh putain, même pas. Même pas, il... Oh, mais, ah, par contre, il s'est éclaté. Tu connais Kamoff? Non. Ah, tu sais, ça se voit. Tu iras sur YouTube et tu regarderas Kamoff. Et quand la vidéo elle sortira, tu te verras. Mais vous m'avez dit que vous me filmez pas? Non, j'ai dit qu'on te flouterait. Ah. Ok? En tout cas, tu m'as bien fait rigoler aujourd'hui. Et je pense que tu as fait rigoler tout le monde aussi derrière la caméra. Il y a 660 000 personnes qui nous suivent. Ah ouais? Ouais. Ça va faire du monde, hein? Ouais. Ouais. Bah là, y a, tu veux dire quelque chose aux gens qui nous regardent? On fait des Xbox aussi. Arrête ça dessus. Va-t'en, dégage. Casse-toi. Donc là les gars, comme vous voyez avec cette personne là, franchement c'est... On peut pas leur faire de mal. Genre, il vaut mieux prendre à la rigolade. Et j'espère que ça vous a fait kiffer, que vous avez bien rigolé, parce que moi j'ai un à rigoler, frère. Ah, franchement, faut dire ce qui est, voilà. Et si on vous propose les gars des Play 5 avant la sortie, des Xbox avant leur sortie, ou qu'on vous dit oui c'est plus cher, mais parce que n'achetez pas. Réservez, attendez la sortie et soyez en règle. Donc faites attention, achetez dans les magasins, achetez en règle ou sur internet, mais à date de sortie, tous les gens qui vous proposent des trucs avant, c'est des escrocs et des arnaqueurs. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle expérience sociale ou un prank ou un piège comme celui-ci. J'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo. Merci et à plus tard. Ciao.